Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir? Oui, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Esprit qui te loue, entends les chants d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Chote baba sikia roho yangu baba, kweli siwezi kusema chochote baba sikia roho. Tantôt Père céleste, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes de venir à nouveau dans les maisons de ton peuple pour apporter la parole de Dieu. Cette parole qui sera la source de grande édification encore pour plusieurs. Je te confie tes enfants. Je te confie cette parole et qu'elle transforme, qu'elle indique le chemin à plus d'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une très grande joie d'être dans la présence de Dieu ensemble
avec vous pour partager la parole de Dieu. La fois passée, nous avons commencé à parler des signes et nous rendons grâce à Dieu de ce que plusieurs personnes, n'est-ce pas, ont été édifiées et continuent à être édifiées par ce message. Si vous voulez que ce message ne reste pas dans votre téléphone et vous pensez que ce message peut édifier plus d'un, vous pouvez inviter déjà vos amis à venir suivre cette parole qui est prêchée ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de reconnaître les signes. Dieu est un Dieu des signes. Il nous parle au travers des signes. C'est la volonté de Dieu de nous parler. C'est dans la volonté de Dieu de parler aux hommes au travers des signes. La plupart d'entre nous, lorsque Dieu nous parle par des signes, nous avons tendance à négliger les signes et nous aimerions que Dieu nous parle par une voix audible afin d'être sûr que là, c'est Dieu qui me parle. Cependant, comme nous l'avons dit la fois passée, lorsque Dieu a parlé à Moïse lui disant d'aller sauver, délivrer le peuple d'Israël, Moïse n'a pas eu la force ou le courage de s'y lancer. Pourquoi il ne pouvait pas se lancer dans cette belle et nouvelle vision que Dieu lui donnait? Parce que tout simplement, Moïse avait besoin de garanties. Et Dieu, voulant donner des garanties à Moïse, dira à Moïse de prendre son bâton, de le jeter par terre, et le bâton s'est transformé en serpent. Il a dit « Récupère le bâton ». Dieu a dit à Moïse « Prends ta main, mets-la dans ton sein, la main a été couverte de lèpre, et après cela, remets la main, et Dieu a guéri la main ». Toutes ces choses ont démontré, ont prouvé à Moïse que c'est vraiment Dieu qui lui parlait et que Dieu était avec lui. Nous avons dit aussi que les signes que Dieu nous donne sont très régulièrement dans un seul objectif, celui de vous assurer de sa présence à vos côtés. Eh bien, vous écoutez vous aussi ou encore vous voyez vous aussi des signes de Dieu. Mais plusieurs négligent les signes qu'ils entendent, les signes qu'ils voient et ils passent à côté du destin, à côté du programme que Dieu avait pour eux. Et ce matin, notre prière est que nous puissions comprendre les différents signes de Dieu. Nous en avons cité 5 dans la liste de 10 signes que Dieu donne aux hommes. Nous allons continuer avec le 6e signe. Si vous n'avez pas suivi le message précédent, laissez-nous un commentaire et nous allons vous envoyer le lien. Le modérateur du culte vous envoie aussi directement le lien de la vidéo précédente. Vous pourrez la suivre à la fin de celle-ci. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous devez savoir que Dieu donne des signes, pas comme un feu rouge. Ce que nous appelons, ça dépend des nations. Dans d'autres pays, on appelle ça un robot. Dans certains pays, un feu rouge, un panneau électrique dans lequel il y a des feux rouges, verts et oranges. Et ces panneaux, souvent, sont pour aider les véhicules afin que le véhicule s'arrête dans le feu ou encore au vert que le véhicule s'en va. À l'orange, avertir qu'il faut qu'il commence à freiner. Alors, Dieu n'est pas comme un panneau. C'est-à-dire que Dieu ne vous donne pas des signes programmés à l'avance, que chaque 2 jours vous aurez des signes comme un panneau, comme un feu rouge, absolument pas. Quand Dieu vous donne un signe, c'est qu'il a la volonté de vous dire quelque chose. Il a la volonté de vous informer de quelque chose. Et si un signe arrive aujourd'hui, demain peut-être vous ne l'aurez pas, mais d'autres signes viendront et vous devez apprendre à les reconnaître. Parmi les signes que Dieu donne, nous sommes au 6e signe, c'est le signe d'un béni de Dieu, ou encore les signes d'un béni de Dieu. Un béni de Dieu, c'est une personne physique, un homme ou une femme, que Dieu a béni et qui fait partie de votre entourage, ou encore un homme et une femme que Dieu a béni et que Dieu met devant votre chemin. Ou bien, vous voyez, vous êtes face à cette personne ou vous voyez cette personne, que ce soit par la télé, que ce soit, vous la connaissez directement, un ami ou autre. Le signe d'un béni, en fait,
C'est un signe que Dieu utilise en rapport avec ce qu'il a fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Il prend l'histoire d'un enfant de Dieu pour vous envoyer un message. C'est-à-dire, vous verrez un enfant de Dieu que Dieu a béni dans un domaine que vous êtes en train de chercher la face de Dieu, vous cherchez la face de Dieu pour que Dieu vous visite dans ce domaine-là, et Dieu vous montre un autre enfant de Dieu qui a été béni dans ce domaine. Très souvent, lorsque vous êtes en train de chercher la volonté de Dieu pour un sujet précis, Dieu peut utiliser un béni de Dieu pour que son témoignage vous montre le chemin d'un autre témoignage qui viendra, ça sera le vôtre. Le béni de Dieu, c'est la personne que Dieu va placer au-devant de vous dans une période bien précise pour vous servir de témoignage d'assurance. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 au verset 18, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. » Dieu utilise donc des personnes comme des signes, des personnes comme des preuves de miracles de sa grandeur. Et donc, ces personnes servent pour que Dieu vous informe que je suis sur le point de te visiter. Très souvent, on ne rencontre jamais quelqu'un qui est sorti de la même situation que vous par hasard. Si vous rencontrez quelqu'un qui est sorti de la même situation que vous, dans une période de votre vie, sachez que Dieu vous annonce ou Dieu vous a donné un signe vous disant que je suis sur le point de te sortir de cette situation. Maintenant, c'est notre manière de considérer les signes qui fera le reste. Et c'est le sujet que nous allons évoquer le dimanche prochain. Comment gérer les signes pour que cela déclenche le miracle. Gloire à Dieu. Mais continuons les signes. Le septième signe que Dieu nous donne, ce sont les signes de l'ennemi. Le signe de l'ennemi ou les signes de l'ennemi. Comment je peux dire que Dieu nous donne le signe de l'ennemi? Vous allez me dire, pasteur, voulez-vous dire que Dieu utilise lui-même Satan pour nous donner des signes? Je vais vous dire même pire que ça. Je vais vous dire que c'est Dieu qui vous conduira devant votre ennemi pour qu'il vous donne des signes. Que disent les Saintes Écritures? Le livre de Matthieu, chapitre 4, nous raconte un fait qui sera pour nous une source de grande édification. 4, verset 2. La Bible dit, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et là, nous sommes donc face à Satan qui est en train de tenter Jésus. C'est l'ennemi qui est en train de tenter Jésus. Alors, la question que vous aviez posée, c'est, « Pasteur, voulez-vous nous dire que Dieu peut nous pousser ou bien Dieu peut nous emmener au milieu d'un endroit où Satan va nous tenter? » Eh bien, je vous dis que effectivement, regardez, le verset premier dit ceci. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. » Jésus fut emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, ceci veut dire que Dieu peut permettre que vous soyez face à l'ennemi pour que l'ennemi vous donne au travers des obstacles ou au travers des choses que l'ennemi voudra vous proposer, vous comprendrez un mystère. Je vais l'expliquer. Chaque signe de l'ennemi vous informe des choses que Dieu vous a déjà données. Pourquoi on vous propose toujours de faire des choses mauvaises pour devenir riche? L'ennemi vous indique la chose à laquelle Dieu vous a destiné. Les différents signes que nous avons, parmi lesquels le signe de l'ennemi, ce signe vous indiquera constamment ce que vous avez reçu. Ok, juste après avoir transformé l'eau en vin, Jésus a aussi multiplié le pain. Donc, il avait ce pouvoir et Satan attaquait en fonction de cela. On passe à la deuxième attaque. Regardez, la Bible dit que Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte
le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Mais Satan, c'est vraiment Satan. Satan est en train de demander à Jésus de se jeter pour que les anges le reprennent. C'était encore un autre signe. L'ennemi ne vous attaque pas dans un domaine par hasard. Vous avez certainement quelque chose de glorieux dans ce domaine-là. Satan ignorait que Jésus avait le pouvoir de quitter le sol et de monter directement dans le ciel. Il dit à Jésus, « Jette-toi vers le bas. » Non, ce que Satan demande à Jésus d'aller dans le sens du bas était contraire à la capacité que Jésus avait d'aller dans le sens du haut. Donc, quand Satan vous combat dans un domaine, il vous dit l'inverse de ce que vous êtes capable de faire. Alléluia. Et regardez le troisième. La Bible dit, verset 7, Jésus lui dit, je reprends, voilà, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Satan lui dit qu'il lui donnera toutes ces choses. Et c'est ce qui exactement s'est passé quand Jésus est mort pour nous à la croix et qu'il est ressuscité, Dieu lui a donné le pouvoir sur toutes choses. En fait, Satan n'était juste en train d'indiquer, sans le savoir, ce que Jésus était capable et de faire et d'avoir. Donc, si vous avez un ennemi dans votre vie qui est en train, par exemple, de vous dire, écoute, je vais faire en sorte que je puisse aller voir un féticheur pour que tu puisses être élevé dans ton poste au travail. Non, non, il ne peut pas faire ça. Parce que ce qu'il vous dit, c'est que tu es capable de le faire. Tu seras élevé. Tu monteras. C'est ça le signe. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et quand vous comprenez le sens des signes, vous ne vous laisserez jamais vaincre par les propositions du diable. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à un autre signe. Soyez bénis, bénis, bénis. Si il vous est déjà arrivé de traverser ces signes, je vais prier pour vous ce matin. Je vais prier, prier, prier. Je vais recevoir les sujets de prière et je vais prier pour vous. Je vous enverrai s'il le faut même des prières. Que Dieu vous bénisse. Soyez sereins et fortifiez-vous. J'ai la ferme conviction que Dieu a donné beaucoup de signes aux bien-aimés qui nous suivent et plusieurs étaient en train de les négliger. Mais ce matin, on a tous compris. Mais il y en a encore trois. Allons-y. Le huitième signe. Le huitième signe, qui est aussi un des signes que Dieu nous envoie. Et ce signe-là, c'est un signe qui englobe beaucoup de signes. Et Dieu nous envoie régulièrement ce signe-là. C'est un des signes que Dieu envoie le plus. Ce sont les signes souverains. Les signes souverains, c'est l'ensemble de manifestations de Dieu qui ne tiennent pas compte de l'être humain. C'est-à-dire, il ne vous demande pas votre avis. Il ne vous avertit même pas qu'il va faire telle ou telle chose. Les signes souverains sont un ensemble de réalisations inexplicables provenant de Dieu pour vous donner une direction. Un ensemble de réalisations inexplicables provenant de Dieu pour vous donner une direction. Parmi ces signes souverains, nous avons un qui est le plus habituel, ce sont les songes. Les songes ne vous indiquent jamais que je vais venir le lendemain. Je viendrai le surlendemain. Ça n'existe pas. Un songe nous surprend. Il nous surprend parce que c'est un fait souverain. Dieu donne des songes à qui il veut. Pourquoi on dit souverain? Parce qu'il ne tient pas compte de votre niveau de vie, même pas de votre connaissance de Dieu. Dieu peut parler par songe à un païen parce que c'est une action souveraine de Dieu. Dans la Bible, Dieu a parlé à Pharaon par des songes. Dieu aussi a parlé à Daniel par des songes. Dieu parle et parle aux prophètes par des songes. Il parle aussi aux jeunes enfants par des songes. C'est une action qui est souveraine. Maintenant, le vrai problème, c'est que vous avez pris l'habitude, nous avons pris l'habitude, quand on voit un songe, c'est de le mettre dans une liste des songes qui, j'ai fait un songe, j'ai vu aujourd'hui que j'avais une belle maison. Ah, les songes aussi. Non, frère. Dieu, non. Dieu n'est pas un peintre qui fait des expositions.
C'est-à-dire que vos songes ne sont pas dans une salle dans laquelle Dieu a fait des peintures pour que vous veniez admirer et sortir. Non, les songes sont des indications, des orientations claires que Dieu vous donne qui montrent le chemin ou encore là où vous finirez. J'aimerais vous dire que l'homme appelé Joseph a été élevé par la même qualité de songe que vous avez. Le problème, ce n'était donc pas le fait d'avoir le songe, mais le problème, c'est quoi? Le fait de traiter, de gérer, de comprendre le songe. Et c'est tout ce qui fait la différence. C'est pourquoi ne manquez pas cet enseignement sur comment entretenir les songes, les signes, allais-je dire, comment entretenir les signes, comment comprendre les signes pour que cela puisse déclencher des miracles. Parce que tout est là. C'est le signe, il faut le comprendre, il faut l'interpréter. Il faut entrer dans son miracle. Alléluia. Alors, en dehors des songes et des songes, je peux dire songes et visions, d'accord? En dehors des songes et visions qui sont souverains, Dieu donne aussi un autre signe dans le cadre des signes souverains. Il donne des apparitions et des apparitions des anges ou des apparitions de sa présence. Dans la Bible, il est démontré, ça fait partie des signes. Ce n'est pas quelque chose que nous tous nous sommes censés vivre. Puisque c'est souverain, c'est que Dieu peut décider de le donner à l'un et ne jamais vous le donner à vous. Mais parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui sont aujourd'hui en train de nous suivre, qui ont déjà vécu des expériences spirituelles qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et la Bible dit, ça je veux aussi en parler au troisième sous-point des signes souverains, pour parler d'abord de l'apparition des anges. Dans l'apparition des anges, il y a le cas de Marie et de Zacharie qui ont reçu une visite angélique. C'est souverainement que Dieu envoie un ange. Dieu ne donne jamais une carte d'alerte pour dire « Co-co-co, écoutez, d'ici 3 jours, un ange viendra. » Non, mais Dieu peut envoyer un ange. Et quand un ange vient, c'est un signe souverain. Très souvent, toute grande apparition indique que la chose qui va venir se fera que vous le vouliez ou pas. C'est un signe souverain qui va vous incliner, vous imposer, vous allez le vivre. Marie n'avait pas d'homme pour faire un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte. Parce que c'est un signe souverain, une apparition angélique. Aucun ange ne prend le visa de la terre pour venir pique-niquer. Jamais. Quand un ange vient sur terre, c'est qu'il est venu résoudre quelque chose de très sérieux. Et je parlais de Zacharie tout à l'heure pour dire qu'il y a eu un homme qui, lui, n'a pas voulu comprendre le signe. Il a dit à l'ange, mais comment une chose pareille va se faire? Il a reçu un soufflet qui l'a rendu muet. Ce qui veut dire que les signes souverains sont souvent des signes très dangereux parce qu'ils viennent avec l'autorité de Dieu et toute chose qui vient avec beaucoup d'autorité divine est aussi accompagnée du jugement. Alors, si vous veillez pas aux grandes visions que vous avez reçues, vous risquez de passer à côté de ce pourquoi Dieu vous a mis sur terre. Je vais ajouter le troisième petit point sur les signes souverains pour appuyer les grandes manifestations que Dieu arrive souvent, que Dieu nous donne souvent. Je parlerai ici du ravissement en esprit, le fait d'être ravi en esprit. Le livre de 2 Corinthiens 12, verset 2, nous parle de cette expérience où un homme est ravi en esprit. Je connais un homme en Christ, c'est Paul qui parle, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Certaines personnes disent qu'il s'agit de Paul. Bref. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul sait. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, la parole de Dieu révèle une expérience qu'un homme a vécue, dans laquelle
son esprit a été ravi. Il est parti dans le ciel, dans le paradis, et il a entendu des choses terribles, extraordinaires, venant de Dieu. Il y a des gens qui ont vécu cela. Vous êtes en train de nous suivre et vous savez qu'il vous est déjà arrivé une chose pareille. Si cela vous est déjà arrivé, que vous étiez soit dans le couloir de la mort et que vous avez vu quelqu'un vous dire dans un espace glorieux, repars, sachez que vous avez reçu un signe souverain qui indique que votre vie sur terre n'a de sens que en servant Dieu. Ça n'a de sens que en servant Dieu. Si vous êtes retourné sur terre, c'est certainement pas pour acheter plusieurs maisons. C'est toujours dans un sens de sauver les autres. Il y a un homme que j'ai connu qui a failli mourir. Et lui aussi, il a été ravi en esprit. Et Dieu lui a dit des choses et il est reparti sur terre. Quand une chose pareille vous arrive, sachez que Dieu vous a donné un signe souverain. Les signes souverains peuvent être liés aussi à des expériences surnaturelles dans le ciel. Si cela vous est arrivé, je vous prie vraiment de prendre conscience de votre appel. Peut-être vous n'avez pas compris le signe souverain. Et aussi, ça c'est un élément très important, vous n'avez peut-être pas compris votre signe souverain, écrivez-nous. Nous allons ensemble voir ce que le Saint-Esprit nous dira sur votre signe souverain et nous allons vous orienter pour que vous puissiez vivre ce pourquoi vous êtes revenu sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Neuvième signe, les signes charismatiques. Les signes charismatiques sont les différentes manifestations de la puissance du Saint-Esprit qui attestent que Dieu vous donne un signe de votre visitation prochaine. Les signes charismatiques sont les différentes manifestations de la puissance du Saint-Esprit qui attestent que Dieu vous donne un signe ou un message de votre visitation prochaine. Marc chapitre 5, versets 35 à 36, la Bible dit ceci. La Bible dit, « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. » Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Analysez très bien ce qui se passe ici. Quelques minutes avant que les personnes qui étaient venues de la maison du chef de la synagogue puissent arriver là où se trouvaient Jésus et cet homme, quelques minutes avant, Jésus venait d'opérer un miracle dans la vie d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Quand le monsieur, les gens de sa maison sont venus lui dire « Ta fille est déjà morte, tu es en train d'importuner le maître inutilement. » Ce monsieur a eu peur et s'est dit que Dieu, certainement, Dieu l'avait abandonné et qu'il n'y aurait plus d'occasion de voir un miracle. Jésus, sans tenir compte de ce que ces gens disaient, dit à ce monsieur « Crois seulement. » Sur quelle base Jésus demandait-il à ce monsieur de croire? Jésus, le Seigneur, demandait à ce monsieur de croire en ce qu'il avait déjà vu précédemment. C'est-à-dire, je viens de faire un miracle. Je viens de guérir une femme à la perte de sang depuis 12 ans. Toi, ta fille à la maison, à quel âge? 12 ans. Ta fille est malade. Je viens de guérir quelqu'un qui souffre depuis 12 ans. Comprends le signe et crois seulement.
Avez-vous compris? Le Seigneur Jésus, Dieu utilise des signes charismatiques, des miracles qui correspondent à un point, à un besoin que vous avez. C'est un miracle que Dieu opère dans la vie de telle personne. Ce miracle ressemble au besoin que vous avez à un point donné. C'est un signe que Dieu vous donne que vous aussi, vous allez vivre sa main. Le signe charismatique, c'est quand vous êtes témoin de quelque chose qui se fait devant vous, quelque chose qui se fait que vous avez entendu, qui annonce une manifestation puissante de la main de Dieu. Cette annonce vous donne le signe que cela vous arrive aussi. Une femme stérile depuis 10 ans vous témoigne qu'elle a mis au monde. Vous êtes une femme stérile depuis 10 ans et votre oreille l'a entendu. Pensez-vous que c'est par hasard? Non, c'est un signe. Jésus a utilisé la même méthode pour dire à ce chef de synagogue, pas un chef de rue, chef de quartier, non, de la synagogue. C'est un homme qui connaissait la loi. Il avait tellement de connaissances que cela suffisait pour lui de savoir que, voilà, ceci c'est dans la Torah, ça c'est pas dans la Torah. Mais cet homme n'avait pas la connaissance de discerner quoi? Les signes. Ce n'est pas la grandeur de des connaissances bibliques qui fera que vous comprendrez les signes. Les signes, il faut apprendre à les connaître, à les discerner. J'insiste sur le message du dimanche prochain. J'insiste pour apprendre à comprendre un signe et vivre ce signe jusqu'à ce qu'il déclenche quoi? Un miracle. J'insiste, ne manquez pas. Ne manquez pas ce programme-là. Ne manquez pas. Et cet homme devait donc s'appuyer sur le signe du miracle précédent pour voir son miracle. Avez-vous compris? C'est ce que nous appelons un signe charismatique. Un infirme ne se lève pas par hasard si vous êtes infirme dans une croisade. Quand vous arrivez dans une croisade et que vous voyez un infirme se lever, vous êtes infirme. Ce n'est pas par hasard que celui-là s'est levé. Il s'est levé pour vous dire que vous allez vous lever. Ce n'est pas par hasard. Et très souvent dans les croisades, dans les moments de miracle, quand une personne vit une chose, ça se déclenche sur les autres. Pourquoi? Parce que les autres ont compris que si c'est arrivé à celui-là, cela m'arrivera. Mais la vie est une croisade de la puissance de Dieu. Quel que soit le lieu où vous êtes, si seulement vous êtes témoin de la grandeur, de la puissance charismatique de Dieu dans la vie de quelqu'un, vous êtes le prochain sur la liste. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai envie d'acclamer le Seigneur avec toi là où tu es. Tu peux le faire dans ta maison, acclamer Dieu, parce que cette parole est certainement venue pour toi. C'est un signe que Dieu te donne, assurément, assurément. Et si vous avez vécu un signe pareil, vous avez vécu quelque chose de semblable, mettez un commentaire et nous allons prier dans le nom de Jésus. Dieu fera que votre vie soit transformée et que vous soyez demain le signe de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Enfin, nous allons finir avec le dernier signe pour ce matin et nous continuerons la prochaine fois avec comment interpréter, comprendre les signes et vivre ces signes pour que cela déclenche le miracle. Ça, c'est pour le dimanche prochain. Nous allons finir ce matin avec le dernier signe. Le dernier signe que Dieu utilise pour nous parler, ce sont les signes messianiques. Les signes messianiques. Très important et l'un des plus importants des signes. Je peux dire que c'est le plus important des signes. Les signes messianiques sont l'ensemble des signes annonçant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait partie des signes que Dieu utilise. Peut-être en écoutant le message, tu étais très excité quand tu as appris que Dieu donnait un signe charismatique, quand tu as appris que Dieu donnait des signes de l'ennemi. Mais celui-ci aussi est très important. Tout ce que Dieu peut te donner comme signe aujourd'hui va affecter ta vie pour peu de temps sur terre. Mais les signes messianiques, c'est pour affecter ta vie pour l'éternité. Alors, les signes messianiques, nous avons dit, c'est l'ensemble des signes annonçant le retour du Seigneur Jésus. Ce ne sont pas des signes à négliger. Pourquoi? Le retour du Seigneur Jésus indique tout d'abord que tes récompenses célestes te seront bientôt données et tu dois te préparer à avoir une bonne vie. Je sais que plusieurs nous cherchions à obtenir beaucoup de choses sur terre, mais attention,
Ne prenez pas tout ce qu'il faut sur terre en ratant et en perdant votre âme. La Bible dit, n'aimez pas le monde au point de perdre votre âme. Voici ce que disent les Écritures. Matthieu 24, verset 3. Regardez. La Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors là, Dieu, Jésus se mit à citer les signes. Quand vous voyez des choses se faire dans le monde, vous vous rappelez peut-être des signes de guerre qui s'élèvent dans le monde. C'est un signe que Dieu vous dit, je viens bientôt. Ne négligez pas ce signe, pourquoi? La négligence du signe messianique fait que le chrétien ne court pas avec Dieu. La négligence du signe messianique fait que les chrétiens ne courent pas avec Dieu. Vous aurez tendance à avoir une vie chrétienne qui est stagnante, une vie chrétienne qui ressemble à tout le monde. Vous n'allez pas courir. La notion, celui qui sait que Jésus revient bientôt, celui qui a compris ce signe, deuxièmement, aura aussi en lui la volonté de faire l'œuvre de Dieu comme le Seigneur le veut, ou bien la volonté de faire l'œuvre de Dieu comme Dieu l'attend. Il ne voudra pas être dans des rêveries, dans les passions de ce monde, mais il voudra se concentrer pour faire comme Dieu le veut, parce que sa récompense est sur le point d'arriver. La prise de conscience du signe de l'avènement du Seigneur Jésus aide aussi le chrétien à servir Dieu dans son église de manière sincère. Car plusieurs servent Dieu à l'église, rien que parce qu'on leur a dit que vous devez être dans un département, mais pas parce que son cœur veut servir Dieu. Enfin, quatrièmement, celui qui a pris conscience que Jésus revient, celui qui a compris ce signe, la Bible dit, il se préparera à la rencontre de Dieu. Un jour, vous serez face à Dieu pour répondre pour tout ce que vous avez fait sur terre. Et personne ne dira, je ne le savais pas. Savez-vous pourquoi? L'un des signes les plus visibles, c'est le signe messianique. Car lui, il passe même dans les journaux, même à la télé, même à la radio. L'un des signes du retour de Jésus est en train de frapper le monde dans cette période, la pandémie du coronavirus. Un des signes, oui, maladie créée par les hommes. Vous direz ce que vous voulez, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des maladies. Donc, dans les signes de la messianique, tout est clair. Dieu le montre à tout le monde. C'est le signe qui est le plus lié à un jugement et à une récompense. Celui qui méprise le signe messianique peut rater son éternité. Vous pouvez vivre une belle vie sur terre et rater l'éternité en ayant une vie dans l'éternité en enfer. Frères et sœurs dans le Seigneur, les signes sont réels. Ne négligez pas les signes que Dieu vous donne. Si aujourd'hui vous avez entendu ce message et que vous n'aviez pas encore pris une décision de suivre Jésus directement, personnellement, de s'engager à servir Dieu, ce message est un signe que Dieu veut aujourd'hui que vous puissiez commencer avec lui. Ne négligez pas ce signe. C'est le moment pour vous, le moment opportun. Vous vous êtes certainement dit, je vais commencer à prier bientôt quand j'aurai 30 ans. Vous ne savez pas si 30 ans arrivera pour vous. Aujourd'hui, vous avez vu comment les 30 ans est devenu pour plusieurs l'occasion d'attraper le coronavirus plus facilement. Donc, être âgé n'est pas nécessairement une chose qui vous avantage. Non, frère, vous devez saisir le temps présent, l'occasion que Dieu vous donne aujourd'hui. Et quelle est l'occasion que Dieu vous donne? C'est celle de donner votre vie à Jésus sincèrement et de saisir le signe que Dieu vous envoie maintenant, car Dieu vous dit, je t'aime tellement que je t'ai dit de plusieurs manières que je suis sur le point de venir et je voudrais que tu me donnes ta vie, que toi et moi, que nous puissions vivre ensemble. Veux-tu le faire avec moi? Gloire à Dieu. Je vais te demander de répéter cette prière que je ferai pour toi, je ferai avec toi. Je dirai un mot, tu le répéteras. C'est une prière très profonde et je te demanderai d'y mettre ton cœur pour que Dieu entende ta sincérité. Prions ensemble. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ce matin je décide de te donner ma vie.
Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Seigneur Jésus, donne-moi ton Saint-Esprit. Je veux aujourd'hui vivre avec toi, marcher avec toi jusqu'à ton retour. Merci de m'avoir sauvé ce matin. J'accepte ce salut. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, je te remercie pour une bien-aimée, pour un bien-aimé qui aujourd'hui entre dans la famille de Dieu, qui s'est décidé de donner sa vie pour vivre avec toi. Je te prie de l'accompagner, de le bénir, de le protéger au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour tous ceux et celles qui ont compris aujourd'hui que Dieu leur a donné différents signes, vous avez saisi que Dieu vous a vraiment parlé et de plusieurs manières, je vais prier pour vous. Tendre Père, pour tous ceux et celles qui ont compris que chaque jour qui passe, ils ont développé avec toi une relation merveilleuse qui leur a permis de croire et d'entendre tes signes, de voir tes signes. Je prie aujourd'hui de donner l'intelligence à chacun d'entre nous de discerner le signe et de vivre en rapport, en fonction du signe que nous avons reçu de toi. Je demande que la puissance de Dieu, la gloire du Seigneur, l'œuvre de Dieu qui doit s'accomplir derrière ce signe que nous avons reçu, s'accomplisse dans nos vies. À celui à qui tu as dit « Je te bénirai comme j'ai béni un oint de Dieu », qu'il soit béni. À celui à qui tu as montré que son ennemi est en train de l'indiquer des choses qu'il a déjà reçues, qu'il les reçoive. À celui à qui il a déjà, à celui qui a déjà eu des signes souverains, des songes, des apparitions angéliques ou encore des ravissements dans l'esprit, je prie que tu l'encourages, que tu le tiennes par la main pour que ce pourquoi il a reçu ses songes, ses messages, qu'il le vive au nom de Jésus. Je demande aussi pour ceux qui ont reçu des signes charismatiques, des miracles qu'ils ont vus s'opérer près d'eux, proche d'eux, près de ses amis ou quelqu'un qu'ils connaissent, que leurs miracles viennent aussi. Et enfin, je te prie pour l'Église corps de Christ, afin que tous les signes messianiques qui annoncent ton retour puissent, ô Dieu d'Abraham, nous aider à continuer, à persévérer, à vivre une vie chrétienne sincère, pure, profonde et attachée à toi. Merci Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Si ce message t'a béni et si tu penses qu'il peut bénir un ami, je te conseillerais de partager le lien à ton ami, le poster même sur ton statut s'il le faut, afin que tes amis autour de toi puissent savoir ce que tu as appris aujourd'hui. Et ce serait bien d'avoir des amis qui comprennent les signes comme toi, afin que vous n'ayez pas des gens qui vous emmènent à la distraction. Que Dieu vous bénisse. Nous allons recevoir les annonces et après nous prierons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Suivons. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Mali, plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre SWIFT code ROBANK est ROPCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Mukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101-00 11 43 28 00 2-63. Vous
pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pasteurlevin.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/JLM-mission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux encore insister sur une annonce, notre annonce spéciale de chaque semaine. Nous en avons deux. La première, c'est de vous dire que chaque jeudi, nous sommes ensemble sur CNTV et nous passons à la télévision à partir de 17h. C'est sur nos chaînes locales de la République démocratique du Congo, mais on est aussi capté à Brazzaville, sur TNT, Canal 22, et sur Easy TV 122. Alors, que Dieu vous bénisse, ne manquez pas de nous suivre le jeudi. Aussi, c'est le même jeudi, nous passons aussi à 20h sur B1, la radio B1, et nous passons sur la radio B1 chaque jeudi à 20h. Vous pouvez aussi nous suivre sur Canal+, dans le bouquet Canal+, dans la chaîne, sur le canal 529. Voilà. Et je tiens aussi à vous rappeler que nous passons en direct sur la page Pasteur Lévi Kongolo. Ça veut dire que sur cette page sur laquelle vous êtes, le rendez-vous est pris pour jeudi prochain à partir de 17h. Sur la page, c'est à partir de 17h, s'il vous plaît, c'est en direct. Ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse. Notre deuxième grande annonce, c'est que l'Église est en train d'implanter dans un nouvel espace une merveilleuse assemblée. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons commencé à recevoir des donations. Nous bénissons Dieu pour toutes les personnes qui ont commencé à donner. Parce qu'en réalité, il nous suffit tout simplement que de 100 personnes qui donnent 100 dollars et nous résolvons le problème. Et vous êtes nombreux, vous pouvez donner ce que vous voudriez, ce que vous avez, afin que nous puissions réaliser l'objectif que Dieu a donné. Grâce à cette nouvelle adresse, nous aurons nos studios bien installés. Nous pourrons présenter plus d'émissions sur les réseaux sociaux parce que nous voulions que l'église des réseaux sociaux soit une église très dynamique, que vous ayez toute notre équipe prête à vous suivre en live et aussi par les réseaux sociaux, par tous les canaux des réseaux sociaux. Alors, c'est pourquoi il nous faut nécessairement améliorer ou encore prendre des espaces qui nous permettront de faire tout cela afin d'être encore beaucoup plus proches des enfants de Dieu. Et nous savons que l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne saurais finir, j'avais parlé de deux grandes annonces importantes, mais je ne saurais finir sans dire merci à tous nos présinscrits de Alliance Academy. Vous êtes déjà plus de 100 personnes, 120 quelques personnes qui sont déjà avec nous dans Alliance Academy, pré-inscription ouverte depuis une semaine déjà. Alors nous vous exhortons à vous, si vous n'êtes pas encore inscrit ou préinscrit, allez-y rapidement sur la page Alliance Academy. Le lien, il apparaît sur l'écran et nous l'envoyons aussi dans les commentaires. Inscrivez-vous, prenez votre place. Il y a suffisamment d'espace et suffisamment de place parce que nous sommes sur le net. Que Dieu donc vous bénisse. C'est déjà très bientôt. Nous commencerons au mois d'août. Les dates seront précisées et soyez le premier à en être informé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur pour clôturer ces moments merveilleux et avec un grand souhait de nous revoir très bientôt. Prions. Père, nous voulons te rendre grâce pour ta bonté exprimée par cet enseignement, par ces choses que tu es en train de nous dire jour après jour. Tu impactes notre esprit. Que l'Éternel bénisse nos frères, bénisse nos sœurs, à tous ceux et celles à qui ce message de bénédiction a été annoncé, pour qui ce message a béni, a édifié, je demande que ta grâce vienne abonder et que tu bénisses la vie de chacun. Que tous les malades qui ont eu le signe que Dieu peut les guérir soient guéris maintenant
au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux et celles qui étaient dans la confusion voient clairement, par orientation de l'Esprit, toutes les choses de leur vie, toutes les situations s'ouvrir au nom de Jésus. Soyez bénis, abondés dans la grâce de Dieu. Soyez protégés à tous les niveaux par la puissance du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous avons béni vos vies, béni votre famille et béni vos activités de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt. Que l'Éternel soit avec vous. Bye bye. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Que nous voulons, c'est toi. Encore, encore, ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Dans nos cœurs, dans nos vies, ce que nous voulons, c'est toi. Que nous voulons, c'est toi.